La porte refuse de bouger. Glover garderait-il un article vieux de 40 ans? La porte refuse de bouger. Les yeux toujours grands ouverts. J'imagine qu'il n'a pas vu venir le coup fatal. Les yeux toujours grands ouverts. J'imagine qu'il n'a pas vu venir le coup fatal. De légères éraflures autour de la serrure. Celui qui l'a crocheté savait s'y prendre. Six balles. Un peu trop pour des coups de semonce. Je finirai par savoir pourquoi le vieux singe te veut autant. Ça va? Tout est à ton goût? Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il manque une pièce à la collection. Un des miroirs a disparu. Squint, cours! Oh, Barkay! Je l'ai tué! Le coup le plus facile du quartier. Tu prends le miroir, et je vais voir si on peut soulager Monsieur Plein aux As d'un ou deux bibelots en plus. Bon sang! Qui êtes-vous? Et que faites-vous dans ma maison? Voyons voir ce qu'on a ici. Le coup le plus facile du... Bon sang! Qui êtes-vous? Squint, cours! Oh, Barkay! Je l'ai tué! Deux hommes sont entrés pour voler le miroir. L'un, Squint, a forcé le coffre-fort, mais Glover l'a pris sur le fait et lui a décoché une balle. L'autre a tué Glover.
Ne faites pas perdre mon temps, étranger. Pour moi, je n'ai jamais été en position d'envisager de manger ce truc-là. Visiblement, Squint a passé un sale quart d'heure. Survivre à une balle pour se faire tuer d'un coup de couteau. Mais par qui ?
Enfin, je vais pouvoir réparer les dégâts causés par les singeries de Francis. Oh, Kay soit loué. Je pensais que vous étiez un de ces monstres. J'imagine que vous êtes Sidney Stokes. Ouais, exact. Est-ce qu'on se connaît? Je ne crois pas. Je suis ici pour Herbert Glover. Il me semble que c'est une de vos connaissances, ou plutôt, que c'était. Oh, par Kay. Joli coup du mur. Comment vous avez fait ça? C'était pas moi. Elle a planté le mur là, avec un de ses tours de passe-passe. Vous avez dit qu'elle avait mis le mur là. Qui est donc cette femme? Notre patronne. J'ignore son nom et tout le reste. Elle nous a promis une bonne paye pour un travail tout simple. Et comme un idiot, je l'ai cru. Quel travail voulait-elle vous confier? Au premier abord, c'était du gâteau. Suffisait de se rendre dans la maison du collectionneur, d'y faucher un beau miroir et de vite se tirer de là. Et ce fameux miroir, où est-il à présent? Elle l'a pris. Quand Phil et moi on l'a rejointe, ils se sont pris de bec et elle l'a planté. Bon sang, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'était toujours Phil qui avait des idées, moi je suis qu'un vaurien. Tuer Glover, ça faisait partie de votre mission? Ou vous vouliez juste vous amuser un peu? Je jure devant Kay que c'était pas prévu. C'était un accident. Le type s'est mis à nous tirer dessus, j'ai paniqué. Vous avez paniqué? C'est ça votre excuse? Je vous en prie. Kay m'en soit témoin, je voulais tuer personne. Je vous donnerai tout ce que j'ai, par pitié, laissez-moi partir. Vous accumulez les crimes, monsieur Stokes. Effraction, cambriolage, homicide involontaire. Je n'ai pas le choix, je dois vous livrer à la police. Pitié, je vais finir sur la chaise électrique si vous faites ça. Vous auriez dû y penser avant de tuer un autre homme. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai regardé votre affaire délicate de plus près. Excellent. Allez-y, je veux savoir tous les détails. Glover est mort, tué par un certain Sidney Stokes qui était apparemment venu le cambrioler. Il ne travaillait pas seul. Son partenaire, Phil O'Connell, ne s'en est pas mieux sorti. Tout ça pour une espèce de miroir, il semblerait. Drock. Et où est le miroir, maintenant? Dans les mains de leur patronne, une femme mystérieuse. J'ignore son nom, mais de toute évidence, elle n'a pas froid aux yeux. Je vois. Ainsi, ma rivale énigmatique se révèle enfin. Et vous dites que les deux voleurs sont morts. Sidney Stokes a réussi à s'en sortir en un seul morceau. Si vous voulez mon avis, il est sûrement barricadé chez lui. Vous voulez l'adresse? Avec plaisir. Je prendrai du plaisir à lui inculquer certaines vérités essentielles, dirons-nous. Très bien. J'ai tenu ma promesse, c'est à vous. Bien sûr, monsieur Reed. Voici votre paiement. Et maintenant que vous savez tout,
Êtes-vous prêt à accomplir le reste de cette mission? Laissez-moi deviner. Vous voulez que je retrouve le miroir? Exact. Ainsi que celle qui me l'a si brutalement arraché des mains. Je m'en charge. Cela dit, je n'ai qu'une piste. Notre coupable semblait avoir un compte à régler avec un dénommé Francis. Ça vous dit quelque chose? Ah oui. Il s'agit sans aucun doute de mon père. Francis Throgmorton. Kay garde son âme. En quoi est-il lié à tout ceci? Le miroir est mentionné plusieurs fois dans ses archives personnelles. D'où mon propre intérêt envers l'objet. Votre père était un homme d'influence. Il avait sûrement des ennemis. Vous suspectez quelqu'un? Les ennemis de mon père ne lui ont pas survécu. Vous avez parlé des archives personnelles de votre père. Ça vous dérangerait si j'y jetais un œil? L'idée de vous voir fouiller dans les affaires de mon père ne m'enchante guère, monsieur Reed. Mais si c'est ce qu'il vous faut, soit. Voici la clé. Étranges factures, elles doivent valoir une fortune. La preuve d'une volonté de faire, plutôt l'air d'une expédition ambitieuse, tel père, tel fils. 1891 a dû être une année bien remplie pour Francis. Il me dit quelque chose, ce gamin. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de Bethany. Je vous demande pardon? Je ne connais aucune femme de ce nom. Non, je ne crois pas. Eh bien, ce nom a fait surface pendant mon enquête. Votre père est divorcé, voyez-vous, et son ex-femme s'appelait Bethany. Assez. Ça remonte bien au-delà de mes propres souvenirs. Et même si ce n'était pas le cas, les affaires de mon père ne regardent que lui. Je me garde des rumeurs. Votre père a mené une expédition en 1891. Vous en avez entendu parler? Je crains que mes connaissances à ce sujet soient limitées. Je n'étais encore qu'un nourrisson à l'époque. Et mon père n'a jamais publié le fruit de ses recherches. Ce qui constitue une immense perte, bien sûr. Son œuvre aurait révolutionné le domaine des sciences. Je n'en ai pas le moindre doute. Bonne journée. Je cherche Bethany Throgmorton. Avez-vous une patiente de ce nom ici? Croyez-moi, s'il y avait une Throgmorton ici, ça se saurait. Cela dit, oui, on a une Bethany. Ou plutôt, on avait. Elle a disparu. Et pas pendant une de ses balades habituelles. Elle se baladait souvent? Vous autorisez vos patients à quitter l'immeuble? Oh, Bethany était inoffensive. Et elle revenait toujours. Mais cette fois-ci,
Eh bien, on ne l'a jamais vue comme ça. Vous voulez dire qu'elle s'est enfuie ? Oui. Elle a même assommé un aide-soignant. Elle a filé en un clin d'œil. C'était un choc. Elle qui ne ferait pas de mal à une mouche ? Vous avez une idée d'où elle a pu aller ? Non. Elle se comportait bizarrement ces temps-ci. Marmonnait dans son coin, sans parler des dessins étranges qu'elle a faits sur son mur. Intéressant. Pourrais-je jeter un coup d'œil dans sa chambre ? Bah, ça peut pas faire de mal. Sa chambre est en bas. Prenez la clé, mais faites attention au bruit de verre. Au revoir. Sept ans de malheur pour chacun, ça fait beaucoup. Heureusement, c'est pas pour ma pomme. On dirait qu'ils l'ont menacée pour la prendre, celle-là. Quelqu'un s'est bien amusé à déchirer ces articles. Je le trouverai, mon bébé. Je te le promets. Il faut juste m'en dire plus. Sept ans de malheur pour chacun, ça fait beaucoup. Heureusement, c'est pas pour ma pomme. Quelqu'un s'est bien amusé à déchirer ces articles. Le sang est presque sec. Une dose pareille suffirait à endormir un cheval. Tu n'as plus aucune emprise sur moi. J'ai trouvé mon Hammond. Il m'a montré la voie. On ne bouge plus. Randall Glassworks à Salvation Harbor. J'y crois à peine. La réponse est là depuis le siècle dernier. Il est temps de reconstituer le fil des événements. Randall, tu n'as plus... On ne bouge plus. Bethany s'est échappée de l'asile après avoir pris le miroir à Glover. On dirait qu'elle s'est ensuite rendue dans une usine appelée Randall Glassworks. Il semble que Bethany aimait particulièrement les miroirs. Vous en savez quelque chose ? Oh oui, pauvre femme. Elle était persuadée qu'un garçon nommé Hammond vivait dans ses miroirs. Elle lui parlait tous les jours. Je vois. Au revoir.
Faites attention à vous. Arrêtez de me déranger, étranger. J'ai mis la main sur le livreur. Désolé, mais il est mort. Apparemment, on ne voulait pas qu'il parle à la police. Et on l'a proprement massacré. Quoi ? Par qui je suis foutu ? Il va penser que j'étais dans le coup. Il ? C'est qui, il ? Le patron. Je peux faire quelque chose pour aider ? Non, je m'en occuperai. Mais écoutez bien. Le patron est le seul qui peut vous aider à décamper. Évitez à tout prix de le contrarier. Vera, l'étranger. Vos instructions. Après ça, va falloir vous débrouiller tout seul. Ok, merci. Tenez, votre remontant. Chut, pas si fort, mon vieux. Pas mal, l'étranger. Vous méritez bien un petit quelque chose en retour. Au revoir. Les eaux enragées dévoreront la terre. Pesque frais. Venez voir mon pesque frais. Tout juste pêché, monsieur. –
L'atelier semble avoir servi à fabriquer des cadres. L'atelier semble avoir servi à fabriquer des cadres. Une espèce de produit de traitement. Sûrement ce qu'ils utilisent pour transformer les panneaux de verre en miroir. La porte refuse de bouger. Une seconde, je vais ouvrir la porte. Je suppose que c'est grâce à vous qu'on n'entend plus la bête en bas. Je sais pas comment vous remercier, monsieur. Eh bien, pour commencer, avez-vous vu une vieille femme portant un miroir? La vieille Bethany? Bien sûr. Elle s'est retrouvée coincée dans le débarras en bas quand les bêtes ont attaqué. J'ai un double des clés. Allez la libérer. Et puis, n'hésitez pas à vous servir dans nos provisions, hein. Vous avez sauvé notre peau. Je ne fais que mon travail. Merci. Il se cache sous l'eau. Les fabricants de miroirs ont-ils dans les mares, les flaques. Prudence. Qui aurait cru qu'il fallait tant de travail pour fabriquer un miroir? Joli travail. Malheureusement, tout porte à croire que l'artisan a mis la clé sous la porte. Avant. Dommage. On vivait bien ici. Je vois qu'on faisait des réserves. Plutôt épais comme bouquin. Il y a de quoi raconter toute une vie. Sa maison, celle de Randall. Une seconde, Hammond. Nous y sommes presque. Il se cache sous l'eau. Thank you.
me faites pas perdre mon temps, étranger. Thank you.
Elles sont là depuis une éternité. La vie peut être cruelle. Un meilleur père aurait été fier. La vie peut être cruelle. Qu'est-ce que... Non ! Ma tête ! Ah, mon sang ! Je ne peux pas ! Je peux pas ! La vie peut être cruelle. Un féru des devoirs. Plus grande exposition de miroirs de toute l'histoire d'Oakmont, y compris les chefs-d'œuvre du maître Randall. Son manoir en un musée de miroirs antiques rassemblés au fil de bien des années. Où est-ce qu'on peut trouver un cercueil miniature comme ça exactement ? Où est-ce qu'on peut trouver un cercueil miniature comme ça exactement ? Voilà. Tant que le miroir reste intact, tu seras en sécurité, mon bébé, jusqu'à ce que je trouve un moyen de te libérer. Je te ferai sortir de là, Hammond. Il y a forcément un moyen. Ces rites, ils me feront peut-être gagner du temps. Il est temps de reconstituer le fil des événements. Ces rites, ils me feront peut-être gagner du temps.
Voilà. Tant que le miroir reste intact, tu seras en sécurité, mon bébé. Jusqu'à ce que je trouve un moyen de te libérer. Je te ferai sortir de là, Hammond. Il y a forcément un moyen. Je te ferai sortir de là, Hammond. Il y a forcément un moyen. Ces rites, ils me feront peut-être gagner du temps. Voilà, tant que le miroir reste intact, tu seras en sécurité, mon bébé, jusqu'à ce que je trouve un moyen de te libérer. Bethany a érigé une sorte de barrière pour gagner du temps, tandis qu'elle essaie de libérer Hammond. Je pourrais la dissiper en détruisant son miroir de rituel. La vie peut être cruelle. Jamais à vous. Jamais. Ce miroir ne vous appartient pas. Vous comprenez ? Bethany, calmez-vous, je vous en prie. Je ne vous veux aucun mal. Non. Vous ne me prendrez pas, mon enfant. Pas encore. Je refuse. Ça ira, on peut juste parler. Je sais que le miroir est important à vos yeux. C'est mon fils. Mon fils. Son âme, son être tout entier. Coincé dans ce miroir, affamé, affolé, seul dans le froid, depuis des années. C'est... Par Kay, c'est si difficile à comprendre. Son corps est mort, mais son âme est figée dans ce verre, incapable de continuer ou de revenir d'elle-même. Francis estimait qu'il se montrait miséricordieux, l'ordure. Que comptez-vous faire dans ce cas ? Je peux renvoyer Hammond dans son propre corps. Ne me regardez pas comme ça. C'est peut-être pas naturel, mais nous serons ensemble. Tout est prêt. Je suis sûre que ça marchera. Il suffit de briser le miroir pour le libérer. Je ne peux pas rentrer les mains vides. Et moi, je ne peux pas vivre sans mon fils. Bon. Je suppose que vous avez le droit d'essayer. Allez-y. Je trouverai bien un moyen d'amadouer Robert. Merci. Merci du fond du cœur. La vie peut être cruelle. Merci du fond du cœur, étranger. Vous avez fait le bon choix. La vie peut être cruelle. Merci du fond du cœur. Thank you.
Monsieur Throgmorton, j'ai mis la main sur un livre étrange, sur les miroirs. Il était question d'âmes emprisonnées. Jouons carte sur table, que cherchez-vous à accomplir? J'imagine qu'il est inutile de tourner autour du pot. J'ai appris l'existence de mon frère, Amund. Mon père m'a privé de sa présence. Il est enfermé dans le miroir par une espèce de sortilège. L'œuvre de mon père. J'ignore pourquoi. Mais c'est un Throgmorton. Je dois le sauver. Je suis arrivé trop tard. J'ai trouvé le miroir, brisé. Quoi? Non. Mais comment? Comment s'est-il cassé? Oh, mon frère. Mon pauvre frère. Vous me décevez, Monsieur Reed. Parquet. J'ai... Oh, Drock. Partez. Laissez-moi mes fantômes.